poisson La Rochelle là. Victime sa yo, majorité là d'ailleurs qui sorti dans matin 4 23 à 25 ans dénoncé autorité qui pas fait rien pour protéger face à bandi yo. Victime yo a toute petite yo lagué sans abri yo sans secours yo par contre qui sait pour reler un côté quelque là-dedans. Non, quand mon pas bien qui s'est mis quand la femme là-dedans. Et voilà, ça c'est déclaration diverses victimes dans zone Matissan qui au même qu'on est plusieurs jours victimes là en bas mais nèg exam ka pour être qui coûte connu en bas sous bicentenaire là précisément Matissan qui a fotamara n'a dit situation ça soulevé collé la caille diverses organisations nationales ou internationales dans affaire droit monde tout c'est qu'à Nations Unies qui lui-même exprimé goke sauté le à cause goumé gang à gang yo en pays organisation Nations Unies montré goke cassé à cause bataille groupe gang yo dans région métropolitaine Port-au-Prince d'après un communiqué yo publié dans date qui était samedi 5 juin 2021 Nations Unies dit yo inquiété en pile à cause situation insécurité qui a taille mandat dans pays a depuis bien longtemps metti sous sa bataille groupe gang yo dans diverses zones dans région métropolitaine Port-au-Prince Tako Cité Soleil Bel Air ak Matissan ONU qui dit gros incident la troubaille balayouzé qui fait dans quartier Matissan, Bel Air, à Cité Soleil. La cause, plusieurs monde mourir à blessé et puis plusieurs centaines de familles obligées de prendre rack pour éviter une victime en babal bandit. Pour finir, Nations Unies qui rappelait autorité on a la nuit, un premier géant gros diffé qui était éclaté dans Cantou Saint-Brave, dans Delma. La cause pour Pibiti. 10 familles et sa côté eux-mêmes pas joindre côté priorité d'après ça Nations Unies lui-même qui exhumé goke cassé le gagné côté exactement yo dit yo pas senti yo bien par rapport avec nouvelle ça qui a passé en Haïti n'avancer toujours côté réaction pas suspend tomber par côté diverses autres organisations j'en dédié à la nationale ou internationale avec cause insécurité ça qui bla école dans divers côtés en d'un pays office protection citoyen OPC qui lui-même dit inquiet par rapport avec la question gangstérisation qui gagne dans le pays à non note et mettez dans la date qui était 6 juin 2021 et OPC exhorte autorité pour capable créer toute disposition rapide pour permettre que la paix capable retourner dans troisième circonscription pour le président OPC dit constater depuis un mardi 1er juin 2021 mais bataille en gang à gang yo retourné là dans troisième circonscription pour le président particulièrement
et quartier Matissa qui a Fontamara que je dis à la moun yo ap konn un moment très difficile et l'éclair que bilan déjà dit un paquet à causer dans rapport ça au PC parler de yon tizèl moun qui est perdu la vie yo surtout moun qui nan population civile là gen plusieurs l'autre qui blessé gen kay qui boulé gen entreprise qui boulé gen qui fermé porte yo plusieurs milliers moun déplacé pour aller prendre refuge sous place Fontamara bien l'autre côté femme ti moun grand moun moun qui nan zone 70 combien année ça yo mais tout ça a passé en bas DG Nawe autorité et sous silence autorité concernée yo mais bien c'est institution qui là pour capable quand assurer sécurité population hein? Mais population qui livrée à lui-même d'après ça OPC dit qu'elle dénoncé j'en dis à là li exhorte autorité concernée prend toute disposition rapide pour capable exactement permettre que la paix retourne en bas sous Bicentenaire là. Nous avons fini avec l'autre information pour nous parler bien situation qui passait hier là, non exactement à samedi soir, non sous commissariat à antenne, non cité soleil. Mais là fini avec premier ministre Claude Joseph lui-même et d'après on tout que lui était bon, il était pas lui parler, mais qui fait comprendre que autorité en travail sérieusement pour capable de contrôle et en bas pour permettre que la paix retourne en bas. Oui, j'en dis en blaise à travers premier ministre le gouvernement prend toute disposition pour la paix retourner dans la troisième circonscription. D'après le premier ministre Aïr qui fait connaître, sous l'ordre président Jovenel Moïse, la police joint instruction chef CSPN pour mettre la peine Matissac Fontamara. Claude Joseph Baïga, anti-autorité, au pas gain dormi dans la nuit pour résoudre le problème. Ça y est, un côté d'un coach Jean-Philippe Massé. Quoi, tout le monde connaît, depuis quelques jours, il y a un groupe armé qui a simé panique dans la zone Matissac Fontamara. Je t'ai vu bloquer la circulation machine avec moun. Forcer moun qui est habité dans la zone yo, courir à chercher refuge sous place publique, kaye famille, kaye zami. Ça provoque rassemblement pile moun dans un seul espace. Yon bagay qui a fait maladie coronavirus là, affecté plus moun dans la population. Alors que nous connaît, le gouvernement a fait tout effort pour les contrer la propagation coronavirus. Situation ça a fait tout que accès à 4 départements, environ 5, on doit dire, l'un pays a bloqué avec toutes conséquences négatives, ça a gagné sur vie économique et sociale, tout le monde dans la population. Devant situation ça qui est inacceptable, l'exécutif l'a mobilisé dans le plus haut niveau. Le président de la République là, by l'ordre formel, avec toute entité qui gagne responsabilité, garantie, sécurité dans le pays. C'est ça que fait le Premier ministre pour un petit bout de temps, organisé dans moins que 72 heures, 3 CSPN. Et dans l'occasion, ça a eu, moi, suivant l'instruction du président de la République, je vais l'ordre formel à la police nationale là, pour prendre toute bonne mesure pour stopper ce qui a passé dans Matissan et Fontamara. Effectivement, depuis hier, circulation Matissan Fontamara qui a accès à l'autre département dans le pays est libre. Et je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est moi-même personnellement qui déplacé, accompagné chef police là pour mal vérifier que zone ça est libre, bien accès pour moun ak machine passer. Moi j'ai profité visiter quelques monde qui réfugiés sur place publique yo. Moi parler avec yo pour moi dire que le gouvernement a prend bon gens mesure pour l'accompagner yo. Je dis à ça me tout le monde connaît c'est que le gouvernement il pas dormi. C'est vrai nous te souhaité attendre chaque seconde, chaque minute. Mais en dans résidence officielle pour le ministre te gon permanence. C'est chaque jour pendant le week-end, là, de 6h du matin, parfois nous quittons là 2h, 3h du matin. J'aime dire, nous organisons déjà 3 CSPN. N'a pas c'est toujours avec chef CSPN non côté que li acquisé yon secteur qui campé des actes violentiels non fait payer alors que ça pas marché kounya n'a attaqué commissariat parole Claude Joseph ba garanti yo pas prêté garder mais caché ça yo qui décidé monter volume sécurité à quelques jours avant rivé mission OEA en payant premier ministre pour un petit bout de temps Claude Joseph continue prôner dialogue comme seule solution à crise politique si là on côté Claude Joseph pour plus de détails.
nous avons un événement qui a passé en cascade. Nous comprenons. Et nous comprenons très bien. La police là, la MEA, est mobilisée pour nous permettre à la population de vaquer l'activité. Je dis à l'extrêmement important. Pour tout le monde comprendre que, et tout le monde connaît que c'est un dialogue, il y a une série de problèmes qui doivent résoudre. Le monde qui est derrière ça qu'a fait, n'a privé sous nous. Parce que c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime. Nous connaissons la situation d'insécurité qui a, ce qui va créer tête. Nous connaissons qui boit qui derrière. Nous connaissons qui éminence grise qui derrière. Seul ça, je suis capable de dire que monde qui a provoqué terreur en la population. N'a privé sous nous, même j'ai privé sous bandit, quel que soit côté où il mon qui croit c'est dans violence yo capable résoudre problème yo faut me dire que jodia n'est pas possible nous tenter nous faire pays lock nous bloquer pays à plusieurs fois jodia n'a attaqué commissariat quelques jours avant il y a une mission OEA qui entrer dans pays quelques mois avant nous réaliser scrutin qui vous permettre nous renouveler personnel politique là. Donc, je dis à tout le monde que comme président, toujours dit, c'est par le dialogue qu'on doit résoudre les problèmes. Président prêt, et pas sans raison, qui fait que dans la tête primature, là, on peut un ministre pour un petit bout de temps. On ne peut pas suspendre répéter ça. Ça, c'est volonté manifeste, président, pour l'engager. Bon jeune dialogue, pour accoucher un gouvernement définitif, car bien en tête, li, un premier ministre définitif. Question insécurité, la police, l'armée mobilisée. Yo jwenn bon jeune instruction pour nous permettre, monde paisible, vaquer librement à l'activité. Directeur général police nationale là pour un petit bout de temps Léon Charles fait connaître la police mobilisée sur toute route Matissan rivière Mariani pour faciliter circulation normale continue sur route ça yo Léon Charles confirme attaque qui fait antenne Douya et l'autre attaque encore sous l'ostricti dans la police là DGAIPNH a rappelé policiers qui ont obligation pour défendre la population avec commissariat yo en côté déclaration pour renforcer toute information que premier ministre se partage avec nous. M'a dit non que la police là, depuis hier soir, mobilisée sur route Matissan, à partir de 1er avenue jusqu'à Mariani. Circulation reprenne. Hier soir, il continue matin. Et jusqu'à ce soir, la police est présente. Et demain matin, la police est présente pour accompagner la population qui a fait usage de AXA. Qui bloqué, et si bloqué, nous connaissons qui dégâts l'a fait sous économie pays. La police a nous garantit que la prête est présente sous axe Matissan Mariani. L'autre information que nous avons profité, partagé avec nous, c'est l'action que bandit armé a fait sous commissariat de police. On attaque qui fait hier soir, le grand inspecteur divisionnaire responsable antenne Douya qui assassiné par des bandits. Maintenant, Kouniala, on a attaqué fait sous sous-commissariat La Saline. On a pris disposition pour nous repousser, pour nous kembe axe La Saline et tout axe Delma pour que la population cap vaquer à activité. M'a dit tout policier, rôle nous, c'est protéger et servir. L'un d'après des serments, il ne pas dire nous dans quelles conditions. Pour protéger tête nous, d'abord, pour nous protéger la population. Et quel que soit côté menace la venir, nous avons campé pour défendre tête nous, défendre les policiers, défendre la population. La police, le 12 juin, dans quelques jours, il y a 26 ans. C'est 26 ans de tribulation. C'est 26 ans de protection et service
avec les moyens du bord. M'a dit nous, tout policier que commandement avec nous. Nous mobiliser, nous protéger tête nous, nous défendre le commissariat nous, nous défendre la population. 6 heures. Voilà, on avance avec information toujours n'a prêté dans même dossier ça côté hier concernant nèg exam qui attaqué diverses antennes police dans cité soleil à caisse commissaire en bas la ville côté Nabdila bandi armé attaqué hier matin et dimanche dans bien bonnet sous commissariat portail Saint-Joseph qui trouvait là dans quelle ville là on dit bien en bas la ville pour petit trois policiers perdit la vie et puis bandi au même mettait difficile sur yo les taillons agent 4, un agent 4 et puis un agent 2 d'après éléments information yo et puis pour te aller l'autre matériel policier te gagné gang armé qui a fait la loi dans pays yan mais continuer à mettre d'autres autorités concernées à terre comme s'il a fait mon tout unique pour montrer que c'est eux même qui est force en pays même ces forces illégales yo parce que c'est eux qui a fait la loi dans pays yan mais notamment la police par rapport avec combattement bandits mais bandits monter c'est eux même qui chef mais n'a dit que hier dimanche temps j'en dédié à la bien bonne la bandi attaqué sous commissariat portail Saint-Joseph qui trouvait dans cette ville Port-au-Prince département de l'Ouest paysan attaque ça li poté aller et la mort trois la vie trois policiers qui étaient affectés dans commissariat ça qui t'a travaillé dans joie en dédiant les c'est un agent 4 et puis un agent 2 qui yo même censé et d'après information qui est victime qui perdit la vie on attaque nek fait sous exactement sous commissaire portation et Saint-Joseph là pardon des dans trois agents ça gagne qui sorti dans 22e promotion et puis 25e promotion et la police non n'a fait qu'on est tout un bien policier ça yo fin brûler quoi semblé monsieur aller avec et cadavre yo d'après élément information maintenant dit tout pendant même de samedi soir pour l'ouvrier dimanche là et hier dimanche là côté nèg exam t'est envahi Sandrilé et antenne cimetière Douyalan et puis l'autre côté tout en dedans cité soleil et information ça jeune qu'on est là qui est poté aller et la vie et inspecteur divisionnaire Adolphe Miradel qui même c'est responsable pour sa police Kafou Douyar et puis côté gain l'autre agent qui yo même arrivé victime en bas main nèg exam qui attaqué mais poste bien antenne Douyala dans zone Douyala d'ailleurs dans commune cité soleil il va pas le prendre zone cimetière Douyala mais c'est situation ça qui développé hier là tout pendant week-end dans commune cité soleil même quelqu'un des sim jeune donné ça par rapport avec quantité et âme ça responsable eux-mêmes dans la police surtout présenté là non pour ça arriver à surtout dans commune cité soleil bon regarder rapidement si je viens donner ça là et sévère par rapport avec ça oui et connait fait qu'on est là gagne n'importe 15 âmes qui saisi parmi plusieurs galil saisi parmi toutes âmes que monsieur pote aller c'est ça information en bail comme détail bon regarder là par rapport avec ça oui nous je ni là côté gagne ça n'a pas police nationale d'Haïti direction départementale ouest commissariat cité soleil qui sorti un rapport par un rapport partiel directeur départemental ouest 2 parce qu'on est divisé le DDO en deux gain l'ouest 1 l'est 2 gain portion qui sous contrôle l'ouest DDO 1 ces zones Gressier les Ogan ça mais gain portion c'est sous DDO 2 divisé au jeune cité soleil Delma en bas la ville la donne mais directeur départemental ouest 2 responsable juridiction cité soleil son rapport partiel information sur attaque qui rivé faite sous plusieurs bases police dans cité soleil directeur responsable juridiction cité soleil la gain honnête pour capable informer nous que toute base police cité et police qui trouvé dans cité soleil tant du vivier douya sierra 2 station gonaïve bandi attaqué yo et touyer policier et poté aller avec examen pile ça m'est arrivé samedi soir qui était 5 juin 2021 dans environ 8h nan aswe nek armé yo entré et attaqué ensemble de base yo et tous les policiers, j'en dédié à station Gonaïve, et, côté, y'a tous les policiers, Fedlin, Luc, et y'a tous les responsables, poste Douyalan, qui c'est inspecteur divisionnaire, Miradel, Adolphe, et poté à les âmes que t'es gagné, et y'a pris radio, communication, qui t'es dans poste, là. Là encore, qui sont gros problèmes pour la police, parce qu'elle est obligée, prêt à changer le système communication. Vous comprenez, pour les parler, bon, ça m'apprend, y'a des, et Charlie, hein, qui, et c'est bon, qui a donné sous ça. Et apprendre que, eh ben, dans le rapport présenté, y'a dit qu'il y a 4 fuites
fusil et 12 et puis 2 Galil que yo saisi dans antenne station Gonaïve là. Gagnon T65 Galil et yo saisi dans Cité Soleil. Gagne 6 et 12 du yo saisi du Vivier. Gagnon Galil et puis 3 fusils yo saisi dans Douyard et constat montré que situation li détériorer, li dépasser yo en bas et l'encasa yo même comme responsable tout y a demandé avec autorité concernée pour porter l'autre renfort avec yo pour permettre que situation capable retourner dans normale. Moi-même, j'ai apprécié visiter zone là hier poste et antenne là dans Kafoudouya, son antenne qui ça s'est fermé et zone là et c'est timidement monde passer la donne, c'est barricade zone bo CNE, zone bo pour la Fito, là où c'est barricade caoutchouc qui a brûlé là, monde pas qu'à traverser. Voilà situation pays là, insécurité qui a fait la rage pendant tout week-end là et presque chaque jour qui passait. Réaction après Zak Sayo ensemble avec plusieurs organisations Cap défend droit moun réseau national Cap défend droit moun exprimé tête chargé au gain devant bataille ça cap fait dans Matisse depuis plusieurs jours NDDH gain gros inquiétude surtout timoun yo qui en pile là d'ailleurs sauvé la uniforme sur cap souffrir sur place publique yo événement ça yo bloqué 4 départements Marie Rose du Sénat qui est responsable programme NDDH a pas écarté possibilité pour dossier ça ta diversion qui a fait pour capable casser et la mobilisation contre référendum dans le côté Marie Rosy du Sénat dans le micro Jean-Philippe Massier. Depuis 1er juin 2021, population matissant a vécu une situation difficile côté gagné affrontement entre gang armée qui fait partie de G9 en famille et alliés. Au niveau de RNDDH, nous pouvons gagner information précise en termes de bilan sur ça qui rive. Mais nous apprenons que gagné en pile monde qui mourit, gagné en pile caille avec motocyclette qui boulait et même gens tout et nous apprenons tout que gagné en pile famille qui obligé quitter la caille aller réfugier yo sous place publique. D'ailleurs, vidéo t'a circulé sur réseaux sociaux qui montrait des cadavres moun mouri, des cadavres que bandi a matérialisé, des bandits qui ont fait éloge pour zam que gen nan men yo et nous t'ai wè tout dans vidéo qui t'a circulé des moun qui obligé et à vivre sous place Fontamara parce que bandi mandé au caillou côté royal. Jeudi a et malheureusement c'est 4 juin 2021 pendant que nous a parlé de ça qui a passé dans Matisan, c'est journée internationale protection timoun innocent contre agression dans conflit armé. Or justement nous même en Haïti, c'est pas une journée que nous t'ai commémorer dans la mesure où timoun en Haïti pas trop exposé, nous t'a dit à différents types de violences armées ça yo. Or il est clair que avec différents attaques armées, massacres qui a fait dans quartier défavorisé, c'est tous les jours que timoun a victime, c'est tous les jours timoun a déplacé, c'est tous les jours que timoun a mouri dans différents attaques qui a fait yo. Et par conséquent, journée aujourd'hui, c'est ça que nous baille comme image en termes de protection timoun parce que que et gagner un pile petit monde qui sous place Fontamara avec famille. Non, t'as qu'à penser et selon première information que nous avons que c'est un guerre qui gagnait entre bandits armés. Mais expérience nous avons monitoring violence armée dans quartier défavorisé. Yo fait nous était très sceptique et puis nous plutôt choisi tant plus information parce que nous pensons que nous avons cette diversion tout que autorité n'a pouvoir ou fait pour casser mobilisation contre référendum inconstitutionnel que ont planifié pour 27 juin 2021 hein, et sans ça, il y a besoin d'établir un climat terreur dans la population pour empêcher d'organiser un mouvement de protestation que vous avez déjà planifié pour organiser et permettre que vous même réaliser le référendum comme vous avez planifié. Mais de toute façon, je ne dis pas que ça n'est pas qu'un bé par rapport à l'événement qui passait dans Matisan, c'est que il y a 4 départements dans le pays qui coupaient avec le reste pays parce que yo pas capable rentrer, yo pas capable arriver au niveau de Port-au-Prince. N'a parlé de différents départements géographiques qui nan grand sud yo. Nous même au niveau de RNDDH, nous était quoi que ça cap passé dans Matisan en réalité, c'est résultat politique affaiblissement police nationale d'Haïti après l'état haïtien que était déjà commencé à appliquer depuis année 2017. Et donc résultat ça n'a pas gardé là, c'est ça que était besoin. Et c'est peut-être ça n'a demandé si là qui fait partie de Conseil supérieur police nationale là pour intervenir parce que même si c'est des autorités de facto, yo gagné une obligation d'intervention, yo gagné une obligation de résultat par rapport à différents massacres et attaques armées qui a fait dans quartier défavorisé dans l'idée pour mettre un frein à différents violations massives droit monde ça qui a fait dans pays.
N'a toujours été avec réaction bon côté différents défenseurs droits humains Gecko directeur exécutif collectif défenseur plus dans Antoine Lamontime qui dit lundi face à avec situation qui a développé dans zone Matissa qui a Fontamara dernier jour ça yo côté plusieurs monde déjà perdu la vie sans compter l'autre qui blessé mettait sous sa divers cas qui boulait défenseur droits humains en critiqué autorité concernée ou les dit qui pas fait rien pour résoudre un problème ça malgré ça il fait connait c'est eux même qui gagne responsabilité ça c'est eux qui gagne monopole violence légitime non dans ça ça demandé pour capable en responsabilité pour permettre que la paix retourne dans un troisième circonscription Port-au-Prince là en côté entonalement timé lui-même qui t'a parlé dans micro Radio Méga. François Plus nous-mêmes nous indignés de nos images, les nos temps d'information et collègues nous qui dans sud capitale là qui pas qu'à traverser ville de Bano depuis plus de 3 jours il est bloqué, il est pas qu'à traverser ville Port-au-Prince. Et depuis 3 jours, quand il n'y a pas frontière, il y a plusieurs monde qui mourent, il y a monde qui blessé, et il y a monde qui pas mouru dans la violation, mais qui mourent à cause des violations. Ça veut dire que c'est pas avec ça qu'ils mourent, mais ils mourent parce qu'il y a un COVID-19, il n'y a pas qu'à traverser pour les gens qui soignent, car ils ont nécessité. Il y a des monde qui ont besoin à l'antialyse, pas capable d'aller, parce qu'il n'y a pas de moyens pour traverser. Il y a des monde qui ont raté vol pendant 72 heures, qui ont fait des billets d'avion, il y a des gens qui perdent d'autres rendez-vous, on ne peut pas faire de notre travail, donc nous pensons que c'est une situation inacceptable. Et ça qui est révoltant, c'est de faire que, après 3 jours, nous ne pas avoir présence. La police, maintenant, attendait autorité, aucune explication. Nous ne pas attendre voir le premier ministre, nous ne pas attendre voir le ministre de justice, nous ne pas attendre tout ministre de l'Intérieur, nous ne pas attendre le ministre de défense, nous ne pas attendre déjà la police. Nous pensons qu'une situation n'est pas capable de dire comme ça pour autorité au parti en rien. Et nous-mêmes, dans la perspective, l'État qui doit protéger le monde, nous rendons compte que l'État lui violé le monde dans la zone sud capitale là et 4 autres départements dans le pays par inaction. Voilà, amis auditeurs, t'as écouté intervention co-directeur exécutif collectif défenseur plus saint Antonal Mortimé qui t'a préagi concernant Zach insécurité yo nan pays an nou pralé ensemble avec directeur exécutif plateforme organisation en cap défendre droit moun yo et alarmé Pierre Vilus qui dénonce situation tension qui gagne dans troisième nan nan troisième circonscription Port-au-Prince côté plusieurs moun gétan perdit la vie à cause plusieurs groupes armés qui boucanté coup de balle défenseur droit moun critiqué dirige dans l'État qui, d'après lui, pas fait rien pour résoudre le problème pendant l'accusé pour voir en plaçant les 10 cap by jeunes garçons aux âmes des quartiers défavorisés. Un côté à l'armée Pierre Villus, un ami Blaise Peterson. Monsieur, son vérité liée. Gon parti dans la bourgeoisie, il me certain, qui a acheté les âmes internationales, internationales même qui servent à pays. Nous tromper bande sonore. Les Kounialans avec Alermi Pierre Vilus qui c'est directeur exécutif plateforme organisation Cap Défendre Daoun qui réagit sur situation de sécurité qui gagne dans troisième circonscription Port-au-Prince. Cap développé dans sud capitale là particulièrement en zone Matissan côté des groupes gangs à pays affrontés. Situation ça li inquiété nous en pile et li monte l'autre fois encore et régime PHTK pouvoir de facto qui là yo incapable pour permettre population circuler et en toute quiétude pour garantir droit à la sécurité population. Nous montrons l'autre fois encore pour voir qu'il a pas gain qu'une volonté pour et capable de garantir sécurité population et puis quoi que question gang yo et on l'autre fois encore lui montrer que toute manœuvre que pouvoir ta faire c'était diversion pour détourner attention monde. Donc je dis à côté femme si monde a privé quitter la caillou pour aller et sur place côté abdomen côté gankay qui brûlé des monde qui perdit la vie tout ça montré on l'autre fois encore autorité qui là yo pas capable garantir la sécurité population tout ça montré on l'autre fois encore autorité qui là yo yo n'est pas capable de faire 4 blanches à bandit pour faire ça au lieu c'est parce que ont impunité totale capital et yo a garanti donc nous croyons que ça capable c'est aujourd'hui de montrer comment climat insécurité a
qui a détérioré chaque jour plus dans le pays, alors que aux jeunes de monde qui et des autorités au lieu de prendre responsabilité pour permettre que la paix établie dans le quartier, pour permettre que mon monde circule, yo fitome d'capable dit a pété langue avec bandit parce que faut nous rappeler que Genève c'est pouvoir qui contribue à créer Genève et c'est pouvoir qui contribue à alimenter gang, c'est pouvoir qui servit avec gang pour capable même consolider pouvoir pour empêcher mon mobiliser, pour empêcher mon manifester. Donc ce qui fait jodi a c'est gang qui a fait la loi tout côté dans le pays là. N'avance toujours avec réaction bon côté différent défenseur droits humains fois ça c'est vrai là avec responsable organisation citoyen pour l'autre Haïti a mettre Camille Oxius les mêmes tours qui dénonçait Calvin Moun dans Matissa qui a Fontamara après qu'on ait dernier jour ça y en bas bal neg exam cap goumé en bas défenseur droits humains a mandé dirigeant à l'état pour prendre toute disposition pour permettre la paix retourner dans troisième circonscription Port-au-Prince non en côté mettre Camille Oxius lui même qui t'a parlé dans micro Radio Méga. Bon, ça t'a pensé là, il n'est pas en surprise pour nous, sauf que nous sommes en condition inhumaine. C'est une situation inacceptable parce que nous avons affaire à des dirigeants irresponsables. Et pour l'histoire et pour la vérité, moi j'ai dit ça déjà dans Radio Méga. Moi j'ai dit, lorsque ou ces civils armés qui signent un pacte avec les pouvoirs exécutifs qui disent qu'il y a la paix, moi j'ai dit c'est une solution cosmétique. Parce que dans tous les pays du monde, depuis qu'il y a une insécurité, depuis qu'il y a un civil armé, c'est force armée, c'est force légale. Ils ont encadré de manière technique pour que ils déployent force pour mettre civil armé face au mur. Mais lorsque tu es dans une situation, côté sous un simple et promesse, civil armé te dit, ils baillent la paix. Moi, t'ai dit, depuis, attention, pas comblé par rapport à promesse pouvoir exécutif la faire, eh bien, à tout moment, au cas où nous reprenons les armes encore. Voilà, c'est mon auditeur à côté intervention. Camille Oxius, qui c'est une responsable organisation citoyen pour yon l'autre Haïti. Nous avons toujours été sous dossier insécurité. Nous prenons l'ensemble avec parti politique MTV Haïti. De jour en jour, gang revient plus puissant dans le pays. D'après constat, coordonnateur MTV à Kazir Saint-Psy, qui a plusieurs exemples qui prouvaient ça. Façon gang yon à vivre dans la population par rapport avec absence, autorité yo. On s'en côté façon son gang yo gen gros connivence dans secteur politique là yo li candidat pa yo responsable MTVA quoi inégalité ak discrimination qui existe dans société a facilité création groupe nèg exam yo nan pays a tout en côté intervention quasi Saint-Psy nan micro ou mande samedi yon gang en Haïti sa lié jodi a la li pa sa que on gang teye en 95 de l'armée rouge ta prend naissance ou bien les Dread Wilmé ou bien les Dread Mackenzie t'a ferraillé dans cité soleil dans zone bicentenaire. Vrai que nous clair sur ça. Yon gang en Haïti jodia, li gon structure armée, un ensemble de soldats qui là k'ap exécuter, qui bral k'ap tirer yo, k'ap fè guerre yo, mais gang lan tout, li gon structure sociale jodia. Gang yo écrit l'état, yo mandé, yo fè activité yo. C'est eux même les moun mouri. Qui peut bail support pour faire enterrement l'entrée l'école yo bail support donc yo vinn gon jwi de on sympathie qui fait que yo établi dans mi temps population et vinn gagner yo vinn effectivement contrôler des territoires en d'autres termes mais qui bizarre dans zone là qui bizarre gang lan tout go structure li gagner au structure politique là-dedans ouais gang aujourd'hui là. Il y a préparé nèg yo pour candidat, candidat magistrat, candidat député, candidat sénateur, yo gè connivence avec politicien. Yo jodi a que les gè député ou gè sénateur a li protéger yo et yo tient à ça. Donc faut nous comprendre et embrasser question avec toute complexité li pour que nous capables river poter solution à lui-même. Mais moi-même, m'ta ajouter l'autre bague. En même temps, jodi a
nous avons déploré que des jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans le gang, mais nous ne pouvons jamais dire toujours qui ça n'a fait avec l'autre jeune garçon, jeune femme qui sont dans le quartier populaire, qui eux-mêmes ne pas rentrer dans le gang. De l'autre côté, quasi-SMC fait qu'on a une grégée disposition qui prend pour un désarmement général en d'un pays. En fait, malgré ça, responsable MTV Haïti a croit approche policière et militaire pas qu'à seule solution pour résoudre un problème ça. Faut que l'État dégangstérisé pour une vignée à caillon. L'autre forme l'étape, tout d'après quasi-SMC qui toujours dans le micro Romanes samedi. Nous face à une société qui lui-même a créé propre insécurité pâle. On dit mon jodi à la cap sur machine sous Delma, li sont menace pour moi pour tout mais pour petit nous cap grandi demain en tout. Donc moi même pas croire que question insécurité a son bagage que nous va résoudre avec une approche policière, une approche militaire seulement. Non. Gayen les techniques en ce sens que la police et l'armée des interventions pour faire pour effectivement que désarmer tout le monde et pas seulement les qui village qui bicentenaire qui gravine qui tibois qui cité soleil qui te badelma mais bon bonne gauche à bras qui était député qui était sénateur qui était passé directeur général qui était passé ministre qui était passé premier qui était passé président qui charge les armes illégales la caillou tout et tout côté Rodelma Badelma Kiskof yo chargé yo. Donc faut que son désarmement qui général mais moi-même moi souhaite moi quoi que solution à problème là la passer par un plan global côté que nous repenser pays parce que approche là les policiers et les militaires les sociales tout parce que l'État faut qu'a offrir une alternative faut que société a qu'a offrir une alternative à jeunes garçons jeunes femmes l'autre monde qui beaucoup dans gang yo. Voilà, ça c'est parole quasi sepsi toujours dans MTV Haïti n'a prêté avec docteur Reginald Boulos qui est même si on dit responsable MTV Haïti côté là les dit demander avec les lançons appel avec bon côté secteur privé des affaires là ça veut dire monde qui gagne moi même j'avais dans secteur privé là pour capable porter support by monde qui dans situation très difficile dans localité Matissan Fontamara après ça qui rive en bas, nos côtés n'a gaxam à pas boucanté coup de balle dans mitan yo. Mais docteur Reginald Boulos, qui est croix, je dis à la secteur privé haïtien, gain moment ça pour capable participer avec tout le monde qui est dans une situation difficile dans Matissan. C'est pour ça lancer appel là, côté le croix, fuck yo, vini avec support yo. Et le croix, pendant un moment, tout le temps profiter et de condamner ça qui a passé en bas, subi cette là, et le mandat avec autorité concernée yo pour prendre responsabilité pour freiner. Machine ça qui après aller à vitesse en bas machine insécurité responsable Zantra et Boukman Almetis Junior qui t'a réagi sous dossier c'est à tout la responsabilité sous dos certains bourgeois li dit qu'a fait commerce zam nan payan qui gen pi gros client yo qui c'est gang yo contrairement à quasi Simpsi ancien député à quoi solution pas pour demain par rapport avec un mariage gang yo à côté et au secteur privé en côté Junior Almetis en micro Romanes samedi monsieur son vérité.